Welkom in Bordeaux. Hier redden we over de Garonne en we trekken eigenlijk naar de Sauternes, de regio waar ze de liqueureuze, de zoete wijnen maken van Bordeaux. En er is een klein zijriviertje op die Garonne. Dat is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de mist. Eigenlijk waar dat het edelrot, de ontwikkeling van de pourriture noble mogelijk is. Ah, bonjour, les deux sœurs. Hey. Enchanté, Andy de Brouwer. Ces vins de Sauternes sont vraiment liés, c'est un petit miracle de la nature. Les eaux froides du Ciron vont créer en automne des brouillards matinaux. Et ces brouillards se lèvent vers 11h du matin et ensuite on a des après-midi ensoleillés. Donc le brouillard va permettre à la pourriture de s'installer sur le raisin, à la pourriture noble. Et les après-midi ensoleillés vont faire que le raisin peut mûrir. Et ça, c'est de la pourriture noble. C'est délicieux. Tu peux goûter? Ah ben bien sûr. C'est un peu citronné. Ah oui. Alors 2010, déjà c'était un millésime avec une année assez fraîche, un très bel été et donc un raisin d'une grande pureté aromatique. Mais aussi de la fraîcheur, on a la petite zeste de mandarine, on a un peu l'abricot confit. Ik heb twee hapjes dat we gaan klaarmaken, twee samosas, een soort aperitief hapjes. De ene gaan we vullen met hete kaas, vegen, dadels en appel. En de andere heb ik een stukje vis gaan halen. En dan gaan we een mengeling maken met look, ui en gember. Bonjour, Dominique, ça va? C'est délicieux.